Ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième partie d'Harry Potter et la Chambre des Secrets sur Xbox. J'espère que vous allez bien. Donc on avait réussi à délivrer Neuville, l'an du bas qui était coincé dans une tapisserie, et donc on continue la journée. C'est parti. Salut Hermione, qu'est-ce qu'on a comme cours ce matin? Défense contre les forces du mal avec Gilles de Roy Lockhart. J'ai tellement hâte! On va bien s'amuser, Didier. Et moi donc? On se rejoint au troisième étage, devant la salle de défense contre les forces du mal. Au troisième étage, pas de problème. Je vais faire une petite sauvegarde quand même. Parce qu'avant que je commence cette vidéo, figurez-vous que j'étais obligé de refaire un peu les aventures de Neuville. Mais bon, vous verrez, vous avez rien vu, vu que je viens de commencer l'enregistrement là où je vous ai dit bonjour en fait. Voilà. Donc en fait, ça vous concerne pas trop. Alors troisième étage, on y va. Ok, donc c'est là qu'on est passé, j'aurais dû passer par là donc la dernière fois. C'est pas grave, allez, on ouvre la porte. Ah bah t'es là, à niveau là. Alors je suis vraiment désolé pour ce qui va se passer, parce qu'en fait c'est toujours du ralentissement concernant la cinématique et les sous-titres, donc je suis vraiment désolé, d'avance. Qu'est-ce qu'il fout la rogue? Tout le monde me voit? Tout le monde m'entend? Parfait! Cette année, je vais vous enseigner l'art du duel. Je vous présente mon assistant, le professeur Rogue. Harry, approche, s'il te plaît. Le défi du sortilège Expelliarmus se déroule par ici. Donc, il faut tout d'abord que tu prennes le livre du sort Expelliarmus, qui se trouve de l'autre côté du portrait. D'accord. Lorsque tu auras récupéré ce livre, tu pourras lancer des sortilèges Expelliarmus à ta guise. Eh ben, c'est parti. On va récupérer le bouquin. On va encore tomber sur des créatures. Je me demande si le livre du sort ne se trouve pas au bas de ces escaliers. Oh là, oh là. Voilà, voilà, c'est quoi toutes ces bêtises? Hein?
À quoi ça sert? Là, je vois vraiment pas ce que je dois faire. Je peux pas monter. Ok, bon bah voilà, un premier effet dans Harry Potter. Je sais pas ce qu'il faut faire. Là, si je fais ça là, Flipendo. Allez, je fonce. Ah, franchement, si je sais pas trop ce qu'il faut faire, je ne vois pas trop là. Bon. Pardon. Alors. Si j'ai bien compris. Et de une. Au suivant. Thank you.
Et voilà, travail. Alors, attendez. Je vais déjà aller voir ce qu'il y a de ce côté-là. Il y a une porte. J'aime pas entendre ce bruit. Que ça la figure, Harry. Vas-y, fais comme chez toi. Ça veut dire que bon, on peut pas y aller pour l'instant. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est bon. On va aller de l'autre côté. Secret. Et de la potion teint. Qu'est-ce qu'on a? Un cul-de-sac. Lumos. Bon, à mon avis, il n'y a rien en plus par ici. Cool. Bon, c'est pas là. Il y a certainement un truc à faire. Hein. Ah, je peux pas y aller là. Ah, je peux pas y aller. Bon, d'accord. Ok. Alors tout ça pour une perte perdue. Encore et encore. Ah lol. Voilà, doucement. Voilà, je crois que c'est pas par là. On va prendre la porte de côté. C'est qu'on avait vu des sortes de... je sais plus ce que c'était, des cloches, je sais même plus trop ce que c'était et à quoi ça ressemblait. Hop, ouais, dans deux cloches, hein, plutôt des messieurs en pointe. Alors, vu que là on peut pas passer, on est obligé de faire. Hop là. Wouhou. Lumos. Ah.
Et ramasse-le! Allez vous faire foutre les gars. Allez, au revoir. Alors ça va un petit peu moins vite en gros. Voilà. Ouais, on va chercher. Ah, une patate à citrouille. Après, on en a de l'autre côté, non? Continue. Là, j'ai cru que c'était un... Ah, mais c'est bon, Pépère, il va se calmer, Pépère. C'est vraiment radical votre truc hein. Fou. Tout ça pour un bouquin. J'espère que c'est de quoi... Fou la vache, des fois j'ai vraiment chaud aux casquettes. Hein. Ah
Allez, on ouvre la porte au suivant. Bon bah c'est bien. On ouvre la porte. Et on va la ramasser. Maîtriser des duels de sorciers. Ok. Oh putain. Attendez. Mais comment voulez-vous que je me bats si le bordel il me protège pas quoi. Enfin il va sur le côté, c'est du n'importe quoi. Enfin. Ah, attends pépère, j'ai oublié, on va plutôt remettre. Ça là. Et ça là. Merde, il l'a envoyé ce bureau. Bon ben je suis encore mort, je suis vraiment navré. Mais ne vous inquiétez pas, je crois avoir trouvé le moyen de l'avoir. Je sais comment il faut faire maintenant. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça, il devient intelligent à chaque fois. Bon, bon, bah, décidément, il n'y a que des failles dans cette vidéo, les enfants. Je sais pas si je vais y arriver, hein.
sérieux. Aïe. Ouais, je t'ai dit, Jean-Pierre. Aïe. Mais c'est pas possible ça, Jean-Pierre. Bah, mais c'est pas possible ça, Jean-Pierre. Attendez, je suis à la fin de, presque à la fin de l'avoir. Putain, c'est pas vrai, ça fait pas y rester longtemps dessus. Hein. Voilà, alors pourquoi t'arrives, vous voulez pas n'importe quoi, sérieux. Vraiment, on a du n'importe quoi, parce que j'ai réussi à l'avoir du premier coup. Non, mais c'est du n'importe quoi, là. Hein. Ah, mais faut arrêter la fumette, hein. Allez, maintenant. Ah, ce coup-ci, j'ai besoin de l'autre. C'était là qu'il fallait que je sors. Allez. Ouais. Okay. Pourquoi tu es craintif? Ok, on a terminé. Allez donc. C'était un petit peu dur hein, sur la fin, mais on a réussi. Bien joué, Harry! 40 points pour Gryffondor! Maintenant, je voudrais que tu lances un Expelliarmus au cours d'un véritable duel. Ouais, bien sûr, pas de problème, hein, mais une petite seconde avant... Approchez, monsieur Malfoy. Voyons ce que vous allez faire du célèbre Harry Potter. Le premier duelliste à marquer 5 points l'emporte. D'accord. Bien, parfait. Levez vos baguettes. À 3. Tu trembles déjà? Dans tes rêves. 1, 2, 3. Ah, alors là, il va falloir que je reprenne mon bouclier.
Merde. On peut faire du ping-pong non plus. Bon, bah on a perdu, hein. Décidément, ce jeu, il est bien, mais... Ah oui, je touche la barrière, c'est pour ça. Et puis Rogue, il est content, Rogue, et puis il se cache derrière. Oh oh! Hey! Allez, au revoir mon cher! J'ai gagné! Oh, j'ai fait des rafales, des rafales, des rafales! Je croyais qu'il était un petit peu plus gros dans le film, non? Ou alors c'est parce qu'ils ont fait un gros plan sur le serpent. Là, il est petit. Hein. Ouais, capote. Il tombe par terre. Ok, et c'est 30 kills. Tu es un fourche-lent, Gary. Pourquoi tu ne nous l'avais pas dit? Un quoi? Un fourche-lent? Tu parles la langue des serpents? Bon, et alors? Enfin, Harry! La célébrité de Salazar Serpentard venait de sa capacité à parler aux serpents. C'est pour ça que le symbole de Serpentard est un serpent. Maintenant, tout le monde va croire que tu es son arrière petit-fils.
Mais c'est faux! Tu auras du mal à le prouver. Il a vécu il y a 1000 ans. Tu pourrais très bien être son descendant. Bref, on a une séance d'entraînement sur le terrain de Quidditch. On se retrouve dans le hall d'entrée, Harry. Ok, alors on va voir si je peux sauvegarder ou quoi au quest. Regardez, c'est quand même bien détaillé. Bon, ouais, on va sortir. Je vais déjà prendre ce qu'il y a là. Est-ce que je peux ouvrir? Oui, mais c'est pas ce que je voulais faire à la base. C'est pas grave. C'était ça, je voulais ouvrir. On peut pas ouvrir? Non, on peut pas ouvrir. Ah, du coup, on s'en va. Alors c'est évidemment le même endroit que... que dans le premier, bien entendu. Hein. Numéro 58, Glover Hipworth. 1743-1805, inventeur de la primantine qui soigne la grippe. Encore une carte. Numéro 57, Gifford Allerton. 1391-1441, célèbre pourfendeur de géants, tua le géant Angist de Barnaton. Pardon, excusez. Oh, c'est quoi ça? Un ballon, ballon puant, je crois. Ballon lumineux, pardon, excusez-moi. On a fait le tour, donc hop, on s'en va. On va descendre, puis on va sauvegarder. Y a-t-il une sauvegarde dans le coin là? Non. C'est pas grave. Je crois que vers les escaliers, nous avons tout simplement voilà, une sauvegarde qui est tout là-bas. Au ralenti, regardez. Alerte à Malibu qui nous fait aller à Harry Potter. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire sous cette vidéo. C'était Fabien pour Arius Gaming, Harry Potter, la chambre des secrets, Xbox, bien entendu. Salut les gens, à la prochaine, tout de suite, c'est le trop. Ciao, bye.